Salut à tous, c'est Mélo Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau partenariat avec Kyoto Kitsune. Donc c'est une boutique où ils vendent de la nourriture japonaise, etc. Ils m'ont demandé si je voulais des bonbons ou que du snack. Et moi, j'ai demandé une variété de tout. Donc comme ça, au moins, je vais tout goûter. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est eux qui m'ont mis au hasard, je n'ai rien choisi. Je tenais à les remercier, voilà, merci beaucoup à Kyoto Kitsune, n'hésitez pas à aller voir leur site, je mets le lien dans la description. Je suis super contente parce que j'ai une dalle de ouf et j'ai pas mangé, donc on va voir ça. Donc alors, premier aperçu, voici la boîte. Alors, on va tout de suite l'ouvrir, doucement pour éviter de craquer ce qu'il y a dedans. Ouh. Premier snack. Je pense que c'est un snack. Donc le premier c'est ceci. Donc je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc voilà, je ne sais pas à quoi c'est. Donc ça m'inquiète un peu. Là on a une petite forme. Donc c'est des petits triangles comme ceci. Donc je ne sais pas. Inigiri. Onigiri. Je pense que c'est la tomate. Je sais pas pourquoi je me sens venir comme ça. Oh, c'est gros. C'est hyper gros. En fait, ça pue. C'est pas mal, même si je sais absolument pas ce que c'est. Deuxième petit paquet, c'est parti. On met la main. Oh shit. À savoir une chose, c'est que moi je ne mélange pas le sucré avec le salé. Mais je pense que ça c'est du sucré, donc je vais peut-être pas le tester. Donc c'est un Umeibo, alors j'en ai vu à Paris Manga de cela, et je sais pas à quoi c'est. Un deuxième Umeibo, mais celui-là je pense que c'est un salé. Donc on voit un petit poulpi, on voit des petits poulpis et tout. Alors poulpi dans ma langue c'est un poulpe. Donc voici le petit Umeibo, il est beau, il est mignon. Donc je pense que je vais goûter. Oh, il a des trucs noirs, on dirait qu'il a été cramé. Super bon, génial. Ensuite, oh bah décidément, oh yes, encore un, génial, ce sera pour mon chéri. Ensuite, je sais pas du tout ce que c'est, mais voici ce que c'est. Je sais pas si c'est, ça m'a l'air d'être sucré, ça. Je pense que c'est sucré. Ça, je veux pas pouvoir le déguster en vidéo, mais voici des nouilles, génial. Moi qui voulais manger des nouilles. Ah c'est cool. Ouah, c'est des trucs que j'ai jamais vu de ma life. Trop mignon les paquets, mais ouah, j'ai une vieille bouillie derrière. Attendez, je vais goûter. C'est délicieux même. Mmh. Oh non. L'aspect me donne bizarrement pas envie. C'est peut-être bon, mais je sais pas. Je pense que ça, je vais le goûter avec mon copain. Et je vous dirai sur Insta si c'était bon. Je vous ferai une petite photo. C'est sucré ça. Ça, je pense que c'est sucré. On verra à la fin. Oh putain. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop choupi le packaging. Mais je goûterai à la fin, on va voir. Pour l'instant je vous montre. Énorme. Oh ça, ça on dirait des curly ça. Voici le petit paquet, on dirait vraiment des curly. Donc bah ça je pense que c'est salé pour le coup. Je pense que c'est juste des cacahuètes hein. Oh. Je me suis fait avoir à mon propre jeu. C'est sucré. Je les garde, hein, mais voilà. Par contre, ça a vraiment un goût bizarre. On dirait que quelqu'un a fumé dans le paquet. Et ça sent le tabac. Oh putain, je pue de la gueule. Oh, fait chier, j'ai renversé le paquet par terre. Waouh, bah ça par contre, c'est le plus beau cadeau qu'ils auraient pu me faire. C'est une préparation... tu connais la marque déjà? Crassi. C'est les kits Crassi. J'en ai fait un en vidéo. Et j'adore.
J'adore. Au moins ça, je serais pas obligée de le faire en vidéo, je pourrais le savourer. Oh, génial, j'en voulais. Ah, ça c'est des gums, ça. Ça c'est des chewing-gums. C'est des chewing-gums au raisin. C'est sûr, mais je suis sûre, mais tellement sûre. En tout cas, les packaging sont vraiment mignons. Ah non, c'est une espèce de purée. D'accord. Alors par contre, le fruit, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est du raisin. C'est une espèce de purée au raisin que tu mets directement dans la bouche. Voilà, ça se fait donc comme ça. Ça se mange comme ça. Donc j'essaierai. Moi, j'aime bien le raisin, donc on verra. Petit bonbon, je pense. What? Alors là, les gars, c'est la première... Mochi Mochi. C'est la première fois que je vois ça en préparation. Je sais pas trop ce que c'est en fait. Il y a de la poudre dedans. Je vous dirai sur Insta, je vous ferai peut-être une vidéo sur Insta. Ah, une deuxième. Une deuxième petite purée, donc ça sera pour mon chéri. Notre petit paquet, c'est ceci. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Encore une fois, il y a des crottes. On goûte. Une sauce dedans. Je sais pas du tout ce que c'est. Regardez, on dirait du slime. C'est présenté comme une petite boîte de slime. Trop cute. Regardez, ça doit être des petits bonbons. Oh, j'ai pas envie de les manger. Oh, patate. C'est de la pomme de terre en sachet. C'est une blague, mais je veux goûter. C'est une pomme de terre en sachet. Oh, c'est de la patate. C'est de la patate sucrée, les gars. Il y aura à la fin pour goûter, mais je le sens pas bien du tout qu'ensuite... Excellent, merci beaucoup. Oh non, je peux pas les manger. Il y en a que deux dans le paquet. Oh, excellent. Ah, ça aussi je vous montrerai sur Insta. Vous l'avez vu, j'ai déjà vu ça quelque part en plus. Excellent, ça par contre, ouais. Oh, mais c'est trop bien. Oh, c'est trop bien fait. Et dernière article. Oh putain, c'est des chamallows. Bon, en fait, c'est salé. Super bon, en fait, on dirait un umaibo au ketchup, quoi. Bon. Je ne suis pas habituée aux épices. Ah, ça me brûle. Je ne mange aucune épice depuis que je suis gamine. Donc ça, on va voir du coup si c'est salé ou sucré. Je mange tellement pas ce fruit là que je sais plus. C'est limite honteux de ma part de ne pas savoir. De ce fruit là, mais. Pourtant, ce chocolat. On sent presque pas. Moi, je trouve ça bon. Ça, c'est au melon. C'est pas mal. Alors, du coup, on va goûter. Waouh, vous avez vu le réflexe? Ça a le même goût que le bubble tea que j'ai pris à Paris Manga. Il y a un truc tout visqueux à l'intérieur. Ah, c'est hyper chiant à manger. En fait, les gars, j'ai vraiment envie de regarder ce que c'est avec vous. Oh la vache. C'est pas du slime. Oh, regardez-moi. Je sais pas ce que c'est. C'est bizarre. C'est du bonbon. C'est impossible que ce soit du slime, ça. T'imagines, toi, du slime, ça? Pas, j'en ai partout. Et bien voilà, j'en ai maintenant terminé avec les produits. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager. N'hésitez pas à aller voir dans la description, le lien sera en description. Et la vidéo pour la préparation du Kitkrassi, si vous avez suivi la vidéo, sera aussi en description. Merci beaucoup à Kyoto Kitsune de m'avoir envoyé ce joli paquet. Merci à tous.